On n'a pas parlé de bois d'œuvre. Parce que là, avec la conduite que tu fais une taille relativement soignée quand même. Tu y passes du temps. Ben Tu comptes utiliser ce bois, hein, comment? c'est le but, c'était ça quand même. Mais bon, je vois que là, après 20 ans, la pousse est sur la partie basse est correcte, sur la partie haute plutôt médiocre. Donc je crois que mes petits-enfants vont devoir attendre 30 ans encore. Mais cette idée ne m'a pas du tout gêné dès le début. On me l'a, des fois, des agriculteurs me le demandaient, mais enfin, quelle sera la rentabilité à terme? Je pense qu'il y aura une rentabilité. Il n'y a pas de raison qu'en faisant deux productions sur la même parcelle, ça ne marche pas pour une des deux après 30 ans. Mais l'idée de faire quelque chose qui ne rapporte pas immédiatement ne me déplaît pas du tout. Vous savez, on est en Occident très fort pour décrire les extrêmes, je trouve. Ce qui est très chaud, très froid, mais ce qui vient du froid au chaud, on est moins bon. Donc l'idée de planter, de ne pas voir couper l'arbre que j'ai planté, ça ne me choque pas du tout. Je suis certain que c'est un bon choix que j'ai fait ici. J'ai fait d'autres trucs qui n'étaient pas du tout intelligents ici. Mais ça, je n'ai jamais douté. Je pense que c'est une bonne chose et c'est aussi un peu mon apport à la continuité de ce qui existe ici, je crois. Cette parcelle notamment, sous l'ayant un peu dégradé, il sera certainement mieux après des années que sans ces arbres. Et ce sera mon petit apport au maintien, quoi, à la réparation du monde, mon petit apport.